Bonjour tout le monde, ici Jake pour Iva Sound Studio. Aujourd'hui, un petit jeu en one shot, 2h30, 3h, 4h, on verra. Moi, en tout cas, il sera fait en entier aujourd'hui. C'est Farland Sales. Farland Sales, on en a déjà entendu parler il y a quelques temps. C'est un jeu indépendant développé par Okomotive, sorti en 2018. C'est un jeu très particulier, c'est un jeu d'exploration et de conduite d'un véhicule, mais c'est surtout un jeu très très métaphorique en fait. On sera dans une ambiance post-apocalyptique. Alors dit comme ça, ça peut faire peur. Mais en vrai, le jeu, il fait pas peur du tout. Hein. On sera dans une atmosphère très grise, l'air lourd, les océans sont devenus des déserts, et on incarne un personnage qui est probablement le dernier survivant de sa civilisation. Ça peut faire référence à Journée pour ceux qui connaissent. Salut Elena et Eleanora sur le chat. Eleanora qui était hier avec nous sur Codenames. Comment tu vas? Donc Farland Sales. Au fur et à mesure du jeu, au fil du jeu, on va pouvoir imaginer. Enfin, on va le voir en fait, mais on sera dans un monde ravagé par la pollution, par la surindustrialisation et donc les catastrophes environnementales. C'est très flagrant, vraiment c'est très flagrant, c'est même prenant je trouve. J'ai déjà fait le jeu quand il était sorti il y a quelques années. Et voilà. Donc notre personnage, il va se diriger vers un horizon peut-être sans but, on sait pas. On va se poser plein de questions et on va être amené à se poser nous-mêmes plein de questions. Pourquoi et comment tout ça est arrivé? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour arranger les choses? Pour ne pas aller à la catastrophe? Est-ce qu'il y a encore un sens à l'existence? L'avenir est très incertain, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ça, on va s'en rendre compte vraiment à un moment précis du jeu. Alors, tout simplement, on va commencer notre petite épopée à bord d'un étrange véhicule qui peut être un personnage à part entière en fait. Cet étrange véhicule, il est hybride entre le navire et la locomotive. Je range ma fiche. Bonjour Yakipon. Comment ça va? Bien, bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va bien, comme un mercredi. Mercredi, petit jeu indé à sensibilisation. Moi, je suis content, ça me va. Je vérifie de mon côté, je parle, le micro est bon, le son a l'air bon, j'appuie sur la touche et on commence le jeu, c'est parti. Far Lone Sales. Alors, je sais pas le traduire. Far Lone, à la limite, mais Sales, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pourrais demander à mon assistant vocal, mais j'ai la flemme. Nous voilà, petit personnage qui s'est recueilli. Oui, je suis à la manette. Hein. Donc voilà, je me déplace en gauche, droite, sauter. Tac, sauter. Ok. Bien. Alors le monde est ravagé, mais il y a encore un peu de végétation quand même. Les principales couleurs du jeu, ça va être le gris, le blanc, le noir et le rouge. J'ai envie de dire les couleurs d'Ivation Studio. Oh, coïncidence. Je ne sais pas. B, alors attendez, parce que d'habitude je suis sur la Switch, là je suis sur la manette PC, c'est pas les mêmes touches. Ok, B, c'est ici. Ok, prendre, poser. Donc je prends la boîte à lettres. Ah ben dans le chat, vous dites boîte à lettres ou boîte aux lettres? Ah ouais, les plans, ils sont... Il est super bien fait le plan de la machine derrière en haut du bâtiment là. Je me souviens pas tout à fait du jeu, je l'ai fait il y a longtemps. On peut sauter. Attendez. Je vais aller... Voilà, ici. Ah, c'est bloqué. Tu savais que tu pouvais utiliser ta manette Switch sur ton PC et qu'elle peut utiliser la même disposition des boutons. Peut-être, mais je n'ai pas le Bluetooth sur mon PC. Donc je ne peux pas. À moins de la relier en câble, mais je sais pas comment on fait dans ce cas. C'est le bouton d'arrêt d'urgence à l'envers. Donc c'est le bouton de commencement d'urgence. Tu peux le faire en filaire. Ah ça c'est intéressant par contre. LT, c'est quoi LT? C'est zoomer. Ah ouais, zoomer, dézoomer. Ouh, le zoom, ouh. Bon allez, on vient de finir de manger, de prendre de café, on peut pas commencer à avoir des relents.
Y a un truc là, ça a l'air d'être une lumière. Ok. Oui, je tombe. Ah, mais c'était là où qu'il fallait. Mais moi, je continue de visiter. J'aime bien visiter, explorer. C'est... Le type de jeu s'y prête, en tout cas. Ça, c'est l'armoire de Narnia, bien sûr. Et non, mais le plan, mais franchement, le plan, il est super bien fait. C'est quasiment un document de travail du jeu. On en reparlera en off sur la manette. Ouais, je veux bien. Il y a une boîte à outils. Ou une boîte à gamelles, je sais pas. Un lunchbox. Oh, une poussette. Et qu'est-ce que je fais de ma boîte à lettres, moi, en fait, juste parce que j'étais dans les pattes, mais... Bon. D'accord. Ah, mais il y avait un escalier derrière. Alors derrière, là au fond on voit une usine avec un petit village dévasté. Bon, poursuivons l'aventure, comme dirait le père Fouras. Là-bas c'est la plage. On dirait les plages du nord de la France. Un peu Dunkerque, la Normandie, tout ça. Bah y a plus d'eau. C'est une ancienne cabine de plage. Ah mais y a de l'eau. Bah voilà, bah y a de l'eau. C'est bon, y a de la vie. Mais y a de l'eau pour ce qui reste. Et là y a un caillou. Où les gens sont amusés à dessiner dessus. Y a des vagues, un soleil. C'est quoi ça, on dirait le M de McDonald's, mais peut-être que c'est un oiseau. Ou le M de Mario Sunshine, mais ce n'est pas le même jeu. Du coup, ce n'est pas ça. Des poteaux électriques. Il y a un truc rouge derrière. Ah, la fameuse machine. Avec toujours ma boîte à lettres dans les mains. Nous avons la speed. Bien sûr, la vitesse. L'énergie, notre carburant. Steam, c'est la vapeur. Plein de boutons. Ah, par contre, je voudrais. Comment on fait pour monter là? Je sais qu'on peut monter, mais je sais plus comment on fait. Là, il y a. Ok. Je vais poser ma boîte aux lettres. Je sais pas quoi, ce que je vais en faire. Non. Peut-être qu'il faut pas. Ah, t'as pas de carburant. Ah oui, bah oui, t'as pas de carburant. Oui, tu vas pas aller bien loin, en effet. Vapeur. Ça, c'est quoi, ça? Ah bah, un ascenseur. Ça, c'est un tuyau. Ok. Il y a des choses. Là, c'est quoi, ça? Ah bah, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est les caisses, le carburant. Ouais. Allez! Ça, c'est des réserves. D'accord. Donc ça, c'est l'ascenseur carburant. Et là, c'est un peu con ce que je viens de faire. Je suis full carburant, qu'est-ce que je fais? Je dépense mon carburant. N'importe quoi, ce mec. J'ai envie de garder la boîte aux lettres jusqu'à la fin du jeu. Est-ce que c'est possible? Je vais y arriver. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est possible? Là, il y a... Ça y était, ça, à l'époque? C'est, y a un truc avec un code à 4 chiffres. La gestion des ressources, alors, il va falloir apprendre des cours avec des rediffs de Half-Fate. Et je t'ai vu en live sur Half-Fate. Mais non, je suis pas très bon dans les jeux de gestion, moi. Après, dans Age of Empires, je m'enferme dans des murs, je fais une merveille, je gagne comme ça. Parce que je cherche pas la guerre, je cherche pas la... Ouais, bon, allez, on va... Attendez, mais il y a le bouton, là. Ce bouton-là. Ah, voilà. Ah non, ça c'est pour... C'est pourquoi ça? Il y a un truc qui tourne. Bon, lançons le moteur. À tout casser!
J'aime beaucoup la musique, mais elle est un peu trop forte. Encore, hein. Ouais, encore. Je parlerai un petit peu plus fort. Ça m'apprendra à parler un peu plus fort aussi. On est déjà à la moitié du carburant alors qu'on a fait 50. Allez, mets le turbo. Ça y est, on est dans le désert. Désert océan. Ah mais c'est le compteur de kilométrage d'abord, mais c'est pas possible. Non, c'est plutôt des mètres que des kilomètres. Hein, parce que... Et là, je vais tomber en panne. Ça va être ça, je vais tomber en panne. Ah, j'espère pas. Je sais changer une batterie, changer une roue, mais alors après le reste... Non. Non. Bon, alors. Allez, on va pousser la voiture. Pousse la voiture. Ça fonctionne pas. La musique, je me souvenais pas de la musique, elle est super chouette en fait. Non, ça c'est... Ça sert à quoi ça? À tirer la voiture, ça a l'air. Ben on n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Hein. Ah, j'ai peut-être fait une bêtise. Sauter, sauter, yes. Garde le câble. Allez, tu peux le faire. Non. Petit mais costaud. Ah ça. Ah c'est un slogan d'une pub mais je m'en souviens plus laquelle. Bon j'ai besoin de carburant du coup. Je vais m'en aller de ma voiture. La caméra. Ouais alors par contre j'ai vraiment besoin de carburant en fait. Donc il y a quelque chose en bas à droite. Je sais pas si vous le voyez. Vous attendez je regarde. Tipimousse, oui c'était ça. Je suis obligé de regarder sur Streamlabs mon aperçu pour voir si vous voyez mon personnage. Apparemment, oui, on dirait une fourmi sur l'écran. Bon, je prends ça. Est-ce que je peux les ramener tous en même temps? Ça serait bien. Ah. Ouais, c'est bon. Non, il y a une caisse qui s'est barrée. C'est là où je suis content d'être en plein écran. J'avais hésité de jouer en fenêtré. En fait, non, 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 restons en plein écran. Bordel, sinon on n'y verrait plus rien. Voilà, on se rapproche de la voiture. On va faire le plein. Est-ce que je peux tous les mettre d'un coup? Je pense que oui. Ce serait logique. Faut de bons yeux pour voir ça. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Après, c'est intelligent ce qu'ils ont fait pour la caméra. C'est assez original. Un peu perturbant, mais... Mais original. Je me suis embourbé derrière, sérieux. Ça m'est arrivé une fois en voiture de m'être embourbé. Eh ben, j'étais pas content. Galérer pour me sortir de là. Tiens, prends ça déjà. Ah d'accord, donc deux caisses, c'est un plein complet. Vous le saurez quand vous irez faire le plein de votre carburant. Deux caisses, c'est un plein complet. Et non pas un pain complet, sinon vous savez que vous êtes dans une boulangerie. Alors ne faites pas votre plein avec du pain de la boulangerie, sinon ça va pas fonctionner. Ou alors on a inventé un... Ça donne une bonne impression d'isolement solitude si la caméra est loin. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est un jeu de la solitude aussi.
J'adore la musique. L'instrument, je sais pas comment ça s'appelle derrière. Ah, c'est mon arrêt d'urgence, d'accord, c'est mon train. Ok, ok, ah, je me rapproche un peu du micro. Baleine. J'aimerais bien avoir un véhicule comme ça, c'est possible. Allez, on repart. On a remonté là, le petit démarrage en côte. Allez, allez Titine. Oh là, il y a des caisses. Stop, 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 freine, 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 freine. Je sais, en plus t'es en pente. Voilà. Éviter de perdre le véhicule, c'est quand même l'outil principal du jeu. Ce serait pas intelligent. Je sais pas si y a un succès faire le jeu à pied, ça m'étonnerait. Je pense que c'est même pas possible. Le véhicule est beaucoup trop important dans le jeu. Tu peux pas dire je fais le jeu tout à pied. Allez, eh bien. Non, sérieux. C'est une blague? C'est une blague? Purée. Ah, c'est une blague. Ah, voilà, c'est bon. Remonte. Remonte, j'ai dit. Voilà. Alors, pas à ce point. C'est pas grave, on a tout le temps qu'il faut. Ça on peut je peux pas l'accrocher, voilà, j'ai mon véhicule qui se démembre, hein. j'ai bugué le véhicule, c'est quoi? Ah ouais, il sent pas bien là. Allez, on y retourne. Tac, c'est parti. Chargement. De nouveau, ça a du mal à avancer. Ah, on a une nouvelle ressource. Encore une fois, du carburant. Bon, tu vas t'arrêter toute seule, t'as plus de carburant de toute façon. Tac. Ah ouais, oui en effet, oui, tu t'arrêtes tout seul. Est-ce que je peux passer devant le véhicule? Ouais, c'est pas très crédible. Alors c'est quoi cette ressource du bidon là? Je sais pas. C'est un coup de bluff, est-ce que je suis en train de faire? Vite, 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 vite. C'est bon, on est dans la voiture. Allez. Tac. On y retourne. Ah ouais, j'ai bien reculé là quand même. J'ai pas fait gaffe si le compteur métrique reculait aussi ou pas. C'est une bonne question ça, tiens. Du mal à avancer.
YOLO! On gagne en vitesse. Oh, c'était un ancien paquebot, ça derrière. Ou un ancien sous-marin. Je le laisse avancer tout seul, histoire de gagner quelques mètres. Ah bah il y a du carburant, parfait. Oui donc je peux pas passer où je veux en fait. Tiens, tant qu'à faire. Je sais pas à quoi, c'est une vraie caisse de carburant le bidon là ou... Non, par contre il y a une caisse en dessous quoi, s'il te plaît. Je sais pas ce que c'est ça. S'il faut c'est un truc qui... Tu vas prendre feu ou pas après. Oui. Ah ouais, je me suis trop avancé. Mince. Mince, mince, mince. On va essayer. On va juste mettre ça après. Attends, excusez-moi, je passe. Merci. Allez. Allez. Avance. Voilà. Voilà, ça on pose là. Avance un tout petit peu la voiture, histoire que je puisse récupérer ma caisse. Voilà, parfait. Ah non, vite. Je suis en train de courir après ma voiture. Non. Voilà, c'est bon. Allez, on continue. C'est un barrage ou c'est un sous-marin ce truc? Bizarre. C'est un ancien port avec des grues. Voilà. D'accord, faut monter. Bien. Voilà. Il y a un truc là. C'est quoi, c'est une lunchbox encore? Il y a des choses en haut aussi. Oh, c'est un DLC en haut. Lol. C'est quoi ça? Un ballon? J'ai pas compris ce que c'est ça. C'est bleu, ça change de... Ok, les voisins. Ça change de la couleur habituelle. Mais comment on fait? Faut rentrer par là? Ah oui. Est-ce qu'on peut zoomer? Merci. Ok. Oui, c'est clairement un DLC. Enfin, je dis un DLC, mais vous avez compris l'idée, c'est que j'ajoute un truc sur mon véhicule. Je le tune. Je fais du tuning là. Ah bah, un succès, d'accord. Comment ça se fait que j'ai un succès? Je l'ai déjà fait le jeu. Bon, c'est pas grave. Je l'ai fait il y a... quand il était sorti, il y a 4 ans maintenant. Je l'avais fait de suite, du coup, je m'en souviens pas. Je sais que j'ai raté des choses. Waouh! Le replier parce qu'à un moment donné je crois que ça casse quoi. Je peux pas parce que, ouais, bah, voilà là ça avance tout seul mais si à un moment donné je dois ramasser quelque chose ouais je me dirais il y a le frein mais... Il y a des mouettes. Non, non, des mouettes. Est-ce qu'on donnerait pas un petit coup de boost? Ça c'est la frontière. Non, non, c'est juste un panneau. Non, on va pas donner un petit coup de boost. On va peut-être économiser le carburant.
un piano. Ok. Attendez, je vais faire du piano. Je vais faire du piano. Non, c'est trop illisible. Non, tant pis. Je pensais qu'il y avait une interaction avec le piano. Parce que bon, un piano dans la mer, c'est pas commun quand même. Hein. Derrière, il y a une caravane. Attendez. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, la voile, on y retourne. Nous avons un bus avec un tas de cailloux. Ouais, c'est un petit tas de cailloux. Ça, les cailloux comme ça, faut pas les empiler en vrai. Faut surtout pas le faire. Je sais pas si vous le saviez. Des conteneurs tout autour. Je sais pas si on est sur une ligne de chemin de fer là. J'ai l'impression. Ah, derrière il y a le Titanic. Bonjour Titanic. Ah non, c'est le Lunar. Ouais, le Lunar. De nouveaux chargements. Ah, va falloir s'arrêter. Vite, 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 vite. Pile, vraiment pile. Mais je... Ah, je peux pas le... Ah, je voulais rentrer dans la cabane, moi. Bon, tant pis. Bon, on va casser la cabane, alors. Ah d'accord, et quand on met le moteur, on peut pas mettre la voile. C'est en train de péter la maison. Ah j'ai quelque chose en... Bah. Et une hélice qui me gêne aussi au passage, tiens donc. Tiens, ça, si j'y arrive, ça sert toujours. Allez, voilà. Et ça, je voudrais ramasser ce qu'il y a en bas, mais je peux pas. À moins de passer par là. Oui, c'est bon. Ou pas. Je l'ai dans les mains ou pas? Je sais pas. J'ai l'air d'aller l'avoir dans les mains. Qu'est-ce que c'est que j'ai ramassé là? Je ne sais absolument pas ce que j'ai ramassé. Mais aucune idée. Mettre ça par là, on verra bien. Je sais pas. On mettra au carburant si jamais ça peut faire quelque chose, mais. Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, on est bloqué de toute façon. Il y a une hélice qui nous gêne. Ah oui, mais. Moi aussi, en tant que personnage, je suis bloqué. Flûte, flûte. Est-ce que je peux tomber? Oh, ok.
Attendez, je réfléchis. Ah, mais je viens de capter un truc. En haut, la voile a deux barres rouges verticales. C'est ça. Donc ça doit être sa durabilité. Ça, c'est notre moteur. C'est sa durabilité. Qui a déjà pris un petit. Ah, purée, le. Ouais, d'accord. Et ça, c'est quoi? C'est. Derrière. D'accord. Mais comment je passe? Je peux pas passer là. Je peux pas passer au-dessus non plus. Est-ce que je peux nous faire envoler? Non. Est-ce qu'il faut que je recule? Peut-être. Ah, il y a un passage sous en dessous, d'accord. Il y a une cloche en bas, je sais pas si vous la voyez. On se calme, s'il vous plaît. Je vais chercher la cloche. Il y a un autre piano là encore. D'accord. Ah, il y a un bouton rouge sur le côté droit. D'accord. Il y a un truc au pied de l'escalier que je pourrais potentiellement ramasser. Oui. Alors on va le ramasser. Et la cloche, je la prends. Clairement, je laisse pas passer une cloche. Attends. Je sais pas si ça servira, j'en sais rien. Est-ce que je suis du genre à ramasser tous les objets du jeu? Oui. Tout à fait. Est-ce que le stream va durer jusqu'à minuit ce soir? Peut-être. Non, non, en vrai, en 4 heures, il est fait. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est quoi? J'arrive pas à savoir ce que j'ai ramassé. Une canette. Ça se recycle? Je sais pas, on va voir. On verra bien. On retourne dans l'antre du navire, dans la coque du bateau. Ah mais il y a une peinture là. D'accord, première interaction à la perpendiculaire, c'est assez perturbant. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a un truc qui est tombé. C'est flippant. Allez, go. Ah non, vas-y, avance. Il y a un truc rouge. Non! Mon véhicule! Heureusement, il est en montée. Je suis en train de courir après mon véhicule. J'aurais dû l'arrêter, je suis bête. Ah, c'est bon, ça va. Il s'arrête tout seul. Heureusement. Ça doit être un système de sécurité du jeu. Si on est trop loin du véhicule, il s'arrête. Bon, qu'est-ce que je viens bien de ramasser? Une autre boîte aux lettres! Bah parfait, on les collectionne. Attendez, elle est pas sous ma première boîte à lettres. Non, sérieusement, elle est où? Attendez, où est ma première boîte à lettres que j'ai mise dans le véhicule? Je suis aveugle? Non, le véhicule continue d'avancer tout seul, si tu veux. La flûte alors. Ah, il y a un passage là. Ok, j'ai perdu une boîte à lettres. Ça m'embête. Je voulais faire une nouvelle collection, mais je pourrais même pas quoi. Bah allez, mettons les voiles. C'est le cas de le dire.
va casser ça le truc en bas là. Ah non. Un vieux tracteur au premier plan. Il y a des items à ramasser. Frein, 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 frein. Ah oui, ça fonctionne. T'as encore un succès? Vous les voyez ou pas? Non, vous voyez pas les succès. Qu'est-ce que je fais? J'accompagne le véhicule jusque là? On va dire oui. Non. Non. Ah, attendez. Maintenant peut-être que je peux. Voilà. Maintenant que t'es contre. Et je suis obligé de faire le tour. Mince. Donc là, faut que je tombe. Ah non. Ah non, faut aller là. C'est un pont, ça. Il y a des trucs là-haut. Il y a une moto aussi. Vous la voyez la moto? Non, vous la voyez pas, il y a ma caméra dessus. D'accord, c'était quoi ces quelques notes là? Une bonne idée. Apparemment oui. Il y a un truc là. Une lampe? Ça a l'air d'être une lampe. Mais pourquoi j'ai monter ça. Il faut que je roule dessus. A new home. Ouais, espoir, tout ça. Ah, c'est juste... une lumière. D'accord, donc on va la garder. On va la mettre là. Ici. Est-ce que petit navire, petit véhicule, petite loco, tu... Ah non, 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 baisse les voiles en fait. Je viens de me rendre compte d'un truc. Les voiles, elles passeront pas. Et comme j'ai pas vraiment envie de gaspiller beaucoup de carburant, est-ce que je peux te tracter? Oui. Je peux. Oh, allez-y, faites le jeu en tractant le véhicule. Ouais. Bon, il veut pas. Et en plus, il retourne en arrière. Génial. Bon, bah écoute, il nous reste un poil de carburant dans le réservoir. Un moteur là. Défonçons-le pour traverser le pont. Ça va aller là. Eh bien, voilà. Et ça, je le prépare ici. Maintenant.
On y retourne. Je sais pas ce que c'est ce carburant, c'est très liquide, on dirait de l'eau mais pas vraiment. Non mais vas-y, mettons les voiles, mettons les voiles. Non? Genre pas du tout? Pas les voiles. Oh, je viens de me rendre compte d'un truc. Le vent, c'est ça qui l'indique. Et il n'y a pas de vent. C'est parti. J'avais pas regardé la météo avant de partir. Carburant. Waouh. J'ai réussi à attraper sans tomber, c'est trop bien. Est-ce que j'ai encore un peu de carburant pour avancer ou pas du tout? Rien. Ok. Toi tu te mets là. Ok, donc les bidons c'est bien du carburant, mais deux carburants du coup. Est-ce que je peux mettre la canette? Sérieux? D'accord. D'accord, d'accord. Alors, on va récupérer cette caisse là. On la prépare ici. Et on continue d'avancer. C'est parti. Il y a un truc par terre. La vapeur, vite, 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 la vapeur. Un peu plus et je cramais mon véhicule, moi. Il est en pente en plus, et il y a d'autres trucs à ramasser. Arrête-toi. Ok, c'est bon, ouf. C'est quoi que j'ai ramassé? Un livre? Ouais. On va le mettre là-bas. Oula, hé, mais le temps, il c'est de plus en plus menaçant, là. Au secours? Ah non, c'est juste qu'il fait nuit. Il recule. J'aime pas cette... Quand il commence à faire gris comme ça. Un peu de vent. Et le vent en arrière. Je vais peut-être rabaisser les... ça là. Ouais. Parce que, attendez, le vent il va dans quel sens? Comme ça. Donc techniquement je suis à contre-vent, on est d'accord? De manière, si j'étais pas à contre-vent, si je mets les voiles, ça va pas me faire avancer si je suis à contre-vent. Ouais, je suis complètement à contre-vent. Allez, éteins-toi les voiles, éteins-toi, oui, rabaisse-toi. On va avancer un peu. Ouais, il y a du vent là, mais pas le bon.
bord sur la gauche, c'est casse sur la droite. La vapeur, la vapeur, la vapeur. Et maintenant il pleut. Oui, c'est même. Oh super, de l'orage, il manquait plus que ça quoi. Oh je déteste ça. Ah. Stop, arrête-toi. Il est pété du coup. Oh bordel, la durabilité a pris cher. Oui en effet, mais je le répare comment ça? Comment on répare? Comment on répare? Eh bien un moyen. C'est une boîte à lettres. Courage d'impasser non plus. Ah non non, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Je vais me prendre un arc électrique dans mon propre véhicule. Ça, c'est pas bon au niveau du speed, c'est pas bon au niveau des voiles. Du speed même, de la speed. La vapeur vite, la vapeur vite. Ok, ça se calme. Par contre, faut vraiment réparer là. Ok, c'est bon, ça s'est calmé. La nuit est belle et étoilée. Et tout ça est. Ouais, alors, bon, on brille sous les étoiles, hein, tout ça. Bref. On voit plus rien du tout, mais genre plus rien dans mon propre véhicule. Il y a bien un moyen de réparer ça. Ça c'est ce bouton là, ça c'est le frein, ça c'est la vapeur. Ça c'est quoi ce bouton là? Ce bouton là il sert à quoi? À tracter.
pas d'autres boutons, hein. Pour l'instant, je sais pas du tout comment réparer. Mais on a récupéré des caisses. Et bien une clé, un fer à souder quelque part. Ok, donc là on est contre un portail. On voit pas grand chose encore une fois. On peut peut-être passer au-dessus, ouais. Ah oui, sur ma voile carrément. Ah, il y a un carburant là. On va le récupérer. Ça sert tout. Attends. Est-ce qu'il faut le récupérer pour une mécanique? Et oui, bah oui, forcément. Et oui. Il y a des trucs en bas, on les a vus. Il y a des trucs en bas. Il y a des trucs en haut. Je peux passer ou pas? Oui. Mais il y a tout qui est pété là. Oh, encore un carburant. Et là, il y a un levier, ça, c'est quoi? Là, il y a un bouton qui est cassé, on va éviter de l'appuyer là maintenant. Quoique, en vrai, ça sert à rien. Mince, là il y a encore du carburant. Vas-y, appuie. Et B. Il y en a du carburant là d'en haut. Ah mais attends, je suis bloqué en haut. Pour le moment, je suis bloqué en haut. Mince. Une grande hélice, je viens de me rendre compte là-haut là. Excusez-moi, je vais éternuer à un moment donné. Excusez-moi. Eh non, je peux pas mettre ça là-bas. Alors ça, déjà, je peux le poser là. Et maintenant. Oh, c'est un truc qui répare, trop bien. Il n'y a rien d'autre en haut, on est d'accord. Hein. Oui. Break it, fix it. Nouveau souci. Non, mon véhicule, attends-moi. Attends-moi. Excusez-moi. J'ai pas fini de faire les courses. On est en confinement, donc j'ai 54 rouleaux de PQ à acheter. Là. Oh, un phare, trop bien. Je peux pas le mettre quelque part, genre à l'extérieur. Y'a pas un crochet à l'extérieur, un truc, non? Je regarde, mais... Ça a pas l'air. Bon, mais ça va dans ma réserve à bordel. C'est-à-dire mon bureau.
Donc là, on a du carburant, du carburant, du carburant partout. En vrai, niveau carburant, on est bon. Je pense pas que s'il y a que ça, on continue jusqu'à la fin du jeu, mais on est bon. C'est le bordel. C'est quoi là? J'ai encore ramassé des choses. Ah, mais c'est ma boîte à lettres. Ah non, c'est pas une boîte à lettres du tout, ça. Ça, oui, par contre. La boîte à lettres, on la met là-bas. Ça, c'est quoi? Il y a un truc là-haut. C'est un item ou c'est... Ah, voilà. Ça, ça doit être la lunchbox. C'est un bento. Maintenant, on va réparer. Ah oui, c'est réparé. On va mettre un petit coup de réparage ici aussi. Parce que j'ai mis le plein. J'ai appuyé pour faire le plein, je viens de gaspiller une caisse. Mais quel imbécile. C'est bon, c'est réparé? Non? Oui. Eh bien... C'est reparti, il n'y a toujours pas de vent. Il y a une lumière au loin là-bas au fond à droite. Attendez, j'ai laissé une lunchbox sur le toit, je crois. Je crois que j'ai laissé une lunchbox sur le toit, excusez-moi. Je peux pas passer là, je suis obligé de passer là. Ah oui, en effet. Je viens de m'en rendre compte. Hop là. On repart. Lunchbox, si on traduit littéralement, boîte à manger, bien sûr. Toujours pas de vent? Vas-y, roule, roule, hein, tant que t'es en pente. Non, il veut plus. Bon. Le plein. Moitié. Alors non, par contre, toi tu restes là, toi tu te mets là, toi tu te mets là, toi tu vas là, on refait le plein, toi tu vas là, toi tu vas peut-être pas là, ici. Non là, si jamais. Je vais me bloquer pile à ce point là, ça va être ça. Ah non, ça va. Tac. Et tac. Voilà. Allez, on y retourne. Je pense pas qu'il faille aller très très vite. Radio station. Ah, ça c'est mon domaine. C'est bon, y'a rien de cassé? Non, ça va. C'est bizarre que la durabilité là, elle a pas pris très cher. Alors, radio station.
Est-ce qu'on va capter des fréquences étranges de complotistes, de fake news, de radio jeune ou bien d'un chien? Pour ceux qui ont suivi le stream il y a 15 jours, c'était sur Alt Frequencies. Et c'était sympa. Drôle mais sympa. Oh! Oh le vieux poste radio! Ça tangue. Bordel, ça tangue! Direct au bureau. Ce bordel ici. Toujours pas de vent. La peur. Mais il y a de nouveau du vent. Attendez. Éoliennes. Oh, le petit coup de lac là. On est toujours sur des belles éoliennes. Le jour se lève, après une nuit agitée, mais étoilée. Il y a un truc par terre là? Des animaux? Stop, 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 stop. D'où il y a des animaux? Je peux pas aller les caresser, ils sont à l'arrière-plan. Eh bien, roule.
facile pour eux. Mais ils sont juste devant moi, je vais les écraser. Non! Poussez-vous les bisons, les vaches, les choses là, je sais pas ce que c'est. Tu veux bien t'arrêter, véhicule, s'il te plaît. Il y a des ch... Ça a l'air d'être... bizarre le jeu quand même, on passe d'un cimetière de paquebots sous-marins à des bisons. C'est quoi ça du coup, c'est une lunchbox? Allez, tac. Ah, on va avoir une nouvelle interaction avec un bâtiment, un truc. Non, changement de zone. The Blue Ice et les îles bleues, a fresh start. Un commencement frais. Salut Imra. Comment tu vas? Il est joli ce vieux tracteur en plein milieu. Old, Old Coast. J'arrive pas à lire le panneau rouge. On l'aura pas lu, tant pis, c'est pas grave. Et là on va casser la barrière. Défoncer. Oh là, vite, vite! Faut rabattre les... Rabattez-vous. Rabattez-vous. Est-ce que je peux le tracter juste pour aller là-haut? Parce que j'ai pas forcément envie de mettre un peu de carburant. Bon. Alors non, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Du coup, on remet les... Les voisins, ils font un bruit. Ça va me péter mes ailes, ça. À moins que ça passe. Ça va tranquille. Bah écoute, ça va aussi. Un jeu très étrange, mais assez sympa. Ouh! J'ai tapé les... C'est pas grave. Vas-y, continue d'avancer. Encore, encore. Ah, il y a une caisse. Je prends. Vas-y, avance-toi encore un tout petit peu le camion. Encore, encore, encore. Encore. Allez. Et il peut pas aller plus loin. Bon allez, je peux rentrer moi. C'est une porte, ça, on est d'accord. C'est pas une porte. Étrange ce jeu. Ouais. Mais il porte plein de choses intéressantes en lui. Post-apo, avec une réflexion sur pollution, sur industrialisation, environnement, etc. Donc vraiment très intéressant. Et la solitude au passage, bien sûr. Tant qu'à faire. Attendez, mais je vais pas mettre un coup de moteur juste pour aller cogner. Je vais le pousser, moi, mon truc. Voilà, c'est bon. Et là, j'ai tout cassé, voilà. Avec. Ouf, ça va. Ah, on retourne sur Radio Fib. Il y a un arrosoir. Vous l'avez vu, il est devant moi là.
Je vais récupérer la rose. Et je sors comment? D'accord. Alors, nous avons des choses à gauche, des choses en haut, des choses à droite. C'est quoi ça? Un blanc. Je sais pas si c'est... On est sur Radio Philippe ou sur Radio Nova, là, d'après vous? Non, plutôt Philippe, hein. C'est quoi, c'est une box que j'ai ramassé? Non, c'est des bouquins. Ah, les bouquins, ça va au bureau. Allez, bureau, hop là. Je vous rassure, je range pas mon bureau comme ça en vrai. Sinon... Ça, c'est du carburant. Ça, c'est un module. Il y a un truc en haut également. Il y a une pub de Super U en haut à droite. Mais même si ce sont les objectifs principaux, les deux modules, je tiens à voir l'arrosoir. Il y a un passage. Purée, je pourrais pas aller chercher l'arrosoir, je suis deg. La musique, ça fait très 40-50. Ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on récupère en premier? Ça? Mais ça sert à quoi, ça? What? Oh, d'accord! Alors, attendez. Attendez, attendez. Il va s'installer où, en fait, le module? L'avant? Non, à l'avant il y a le bureau. Là il y a la voile. Là il y a beaucoup trop de choses. Donc j'avance le véhicule. Ouais, mais j'ai bien compris par où il va descendre, de toute façon, le machin. Mais c'est où l'installer sur le véhicule. C'est ça, le truc. Pas autant à l'arrière, quand même. Attendez. Mais ça, c'est pas du tout synchro. Genre, pas du tout. Encore, pousse encore. Encore. Ça suffit pas. Bon, bah on retourne à l'avant. Oh, il va aller vraiment à l'arrière le machin. Voilà, là, ça a l'air pas mal. Il y avait une marque au sol. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que c'est là qu'il faut le mettre? Ça me paraît pas mal, il y a un truc à casser. Non, c'est pas là. Faut encore l'avancer? On profite de la musique à tout. Et je peux pas l'avancer plus que beaucoup. Enfin, c'est fou, vous m'avez compris. Plus que beaucoup, bien sûr. Je peux pas l'avancer plus, hein, le machin. Donc à un moment donné, je suis bloqué moi. Je vais même pas mettre un coup de moteur dans... Tu as des bandes sur les roues aussi.
des bandes couleur aussi. Ouais, mais là, c'est là où il est monté avec l'ascenseur, le véhicule, ça. Parce qu'il était tout en bas. Donc là, on est monté, ascenseur. Là, le machin, le bouton rouge en haut, celui qui va... Voilà, ça, celui qui bloque. Si on observe bien... Hop là, je vais essayer de pas trop zoomer. Il faut le faire descendre tout en haut, à droite. Sauf que... je suis bloqué. Ou alors... Attends. Ou alors... Allez, avance encore. Mais non, il veut pas. Hein. Je vais donner un coup de moteur, tant pis. Ça m'a l'air pas mal, là. Non, c'est encore après. Allez. Allez. Est-ce que là, ça passe ? Observe encore une fois le plan à l'arrière-plan. Super bien dessiné. Bordel. Remettre un coup de moteur. Voilà. Là, je suis quasiment. Voilà, là, c'est bon, je suis contre. Je peux pas aller plus. Plus, donc. Voilà. Et là, on appuie. Normalement, il faudrait... Ah, un nouveau succès. Normalement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et si je garde ça accroché, que je mets, j'avance la voiture, je vais arracher tout le bâtiment. Hein. Ça va poser des problèmes. Ah non, ça a lâché. Bon. Il y a eu une sécurité, donc. Alors, à quoi va servir cette chose ? On va regarder. D'accord, ça va être un aspirateur à carburant, trop bien. Mais est-ce que l'aspirateur à carburant dépense du carburant ? J'ai pas l'impression. Attendez. Non, j'ai pas l'impression. Ouais, c'est un aspirateur. C'est un aspirateur qui parle, du coup, c'est un Dyson. Voilà, donc l'aspirateur est en fonction. Les voiles sont baissées, il n'y a pas de vent. Est-ce que l'aspirateur va aspirer ce bout de carburant ? Oui, trop bien. Est-ce qu'il va aspirer la lunchbox ? Oui, parfait. A été coupé. Oh, je suis déçu. Il y a un truc par terre. Est-ce qu'il va l'aspirer aussi ? Un brin de vent, de nouveau. On va mettre les voiles. Hein. Non, mais... Ah ! Elles sont capricieuses. Hein. Pourquoi je recule ? Parce que le vent il va dans l'autre sens. Ah ! Ah mais l'aspirateur, attends, 1, 2, 3, 4, il a 4 emplacements en fait, je peux pas aspirer tout n'importe quoi. Dans ce cas... La vapeur. Vite. Mais il y a un truc inflammable là. Ça va me foutre le feu au bâtiment ?
veux récupérer ça quand même. Ah, The Blue Eyes, ça y est, on est arrivé aux îles bleues sur un panneau vert. Vas-y, à quoi ça sert ça? Je pensais que je peux le mettre dans le carburant. Je sais pas, on va voir. Et continue d'avancer, petite loco-automotive véhicule. À la vapeur. Mince. Voilà. Ce que je voulais pas faire, je l'ai fait. Vous l'avez tous vu arriver sur la voile et moi je l'ai pas fait. Aspirateur. Ah, voilà, ça c'était ce qu'il fallait pas faire au feu. Vite, vite. Donc le gaz, ça va pas dans le carburant. Alors attendez. Tac. Il y a un truc qui est pété. Le réparateur, il est où déjà? Le réparateur, il est là-haut. C'est ça. Non, pas tout à fait, c'est bon. On va réparer la voile qui est pétée aussi. J'ai tout pété en fait. J'ai tout pété. Et l'ascenseur, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Les voiles, c'est bon. Il y a quoi d'autre? Le moteur, il a besoin d'un petit coup. Le moteur, il a besoin d'un petit coup. Ok, donc là tout est bon, tout est réparé. Maintenant, j'ai refait le plein sans faire exprès, je viens de gaspiller deux trucs. Ah! Ça c'est quoi ça? Des papiers. Les papiers ça va au bureau. Tac 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 tac. Oui, je n'ai plus de place au sol dans mon bureau, c'est normal. Bureau, le poste. Ah oui, d'accord, mais il y en a plein en fait. Bureau qui est le poste de commandement. Ensuite, il reste encore un. Comme ça, l'aspirateur, il aura les sacs vides. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Tac, les bouquins. J'ai pas du tout balancé ça comme ça, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a un peu de vent? Oui. Donc, dans ce cas, on met les voiles. Il y a des trucs par terre. On les voit, tout en bas à droite. Le vent me troll. Oh, descend. Descendez les voiles. Je veux plus vous voir. Allez. Ah ben maintenant il me... Je comprends pas rien ce vent. Je sais pas si c'est le vent d'Otan, le vent du Nord, la Tramontane. Éole, y a quoi d'autre en vent? Le blizzard. Le sirocco. Attendez, il me manque un vent français là. Il me manque un vent français. Ouais, il me manque carrément un vent français même. Je l'ai plus. Tac. Mistral, voilà, c'est celui-là. C'était le Mistral qui me manquait. Bon, les voiles font comme troll, donc... Ouais, c'est plus une locomotive que j'ai, c'est un 4x4.
faudrait que j'arrive à baisser les voiles à la demande, mais je sais pas, j'ai pas encore compris comment je baisse les voiles à ma demande. Pour l'instant il n'y en a pas besoin parce que de nouveau le vent est ok. J'ai pas fait gaffe s'il fallait aspirer un truc ou pas. L'aspirateur, tranquille. Oh là, ça va vite. J'ai appuyé sur le frein, mais non, je voulais pas appuyer sur le frein. Allez. Les voiles plus le moteur. Dans la montée. Ah, il va y avoir un truc aspiré. J'espère que l'aspirateur va continuer d'aspirer. Vas-y, aspirateur, aspire. Nickel. Et de nouveau, il fait noir. Oh non. En espérant que ce soit juste la tombée de la nuit et pas l'orage comme tout à l'heure. Les voiles, baissez les voiles. Et frein. Baissez les voiles. Allô. Je sais toujours pas comment on les baisse. Attendez, ça c'est la vapeur. Petite guitare là. Non, non, toujours pas. C'est pas ça. Bon, elles se sont éteintes toutes seules, d'accord. J'ai pas compris. Le système des voiles, je l'ai pas. C'est quoi ça? Une lunchbox. Une lunchbox? Ouais, ça a l'air. Hop là, ça va là-bas. On a récupéré un carburant. On a récupéré une chaise. On a récupéré une chaise. Bah écoute, 3 euros sur affaire conclue. Allez, hop là. Il y a un autre carburant là. Tac. Voilà. On va mettre un tout petit coup de boost, mais tout petit. Allez. Voilà. Et ça casse, ça passe. Tac, casse. Fuh. Il y a le feu maintenant. Il y a le feu. Ok. Alors attendez. Ok, faut aller en haut. Ascenseur. Ascenseur, on grimpe sur les voiles. Oui, c'est bon. Il y a un seau. Non, c'est pas un seau, c'est un pot de fleurs. Je veux le pot de fleurs. Attendez, je vais le récupérer quand même. Oh non, je le voulais le pot de fleurs, moi. Ah, c'est bon, je l'ai. C'est un pot de fleurs. C'est un pot de fleurs. Ah oui, oui, la fleur, on la prend. Hein. On va pas laisser la fleur toute seule. Hop là, la fleur. Au bureau. Tac. Le carburant. Est-ce qu'il y en a besoin là-haut du carburant? Ça a pas l'air. Le carburant. À la réserve. On va se manger une tempête de sable à la sortie, là. Ça va être sympa. C'est plus un bureau, c'est un débarras. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Souviens-toi de mon chez-moi dans Stardew Valley. C'était de la brocante. En même temps, je suis très matérialiste. Hein. Alors attendez, il y a deux boutons rouges. C'était pas celui-là, c'était pas celui-là. C'était l'autre. Non.
mon véhicule se barre. Hein. Je réactive le moulin, mais mon véhicule se barre. On dirait un hamster. Je suis censé faire quoi là-dedans? J'espère que c'est pas ma voiture qui... J'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû faire l'inverse, j'ai fait une connerie, je pense. La musique qui s'affole et tout. 40 lits, 17 télé. Exactement. Où est ma voiture? Ma voiture. Au secours. Démarre. Allume le moteur, vite. Allez Marcel. Vite, les voiles. Allez les voiles. Voilà. Passage, aspirateur, parce qu'on voit qu'il y a du gaz. On va juste faire tout cramer. Voilà. On sait toujours pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. On va le foutre au bureau. Avec la plante. Oh, j'ai ramassé. Ah, la lumière. C'est quoi ça? C'est maintenant on est à du retard là, il y a des cailloux, de la terre. Référence World of Warcraft, des orques, tout ça. Le véhicule s'est barré parce qu'il a marre de cramer. Et ça va, il a cramé que deux fois pour le moment. Non non, les voiles! Et voilà, les voiles ont été touchées. Je sais toujours pas comment les rabattre. Hein. Je vous rassure, je roule pas comme ça. Ouais. Ah. Est-ce qu'il y a un truc ici? Non, il y a un truc de l'autre côté par contre. Je voudrais grimper. Je sais que c'est là, je peux pas aller plus à droite de toute façon donc. Ok, tout simplement. Alors il y a un bouton rouge, on va éviter. Hop là, on l'évite. Raté, je l'ai pas évité. Ah mais j'ai pas le choix en fait. D'accord. Je peux pas passer moi. Ah c'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette caisse? C'est pas ça qu'il fallait faire par exemple. Wow! Ah mais c'est un sous-marin! Oh oh. Je peux savoir où je suis? Parce que s'il y a des trucs à récupérer, c'est où la voiture? Non, il y a rien à récupérer. Okay. Où
Oui, alors par contre, je pense pas que, ouais, quoi que c'est tout rouillé. J'allais dire, je pense pas qu'une voiture comme ça puisse péter le métal d'un sous-marin comme ça, mais en vrai, tout rouillé. Ivre, il meurt écrasé par son véhicule. Tu sais que ça peut exister, ça. C'est quoi qu'il y a en bas? Attendez, il y a un truc en bas là. Alors non. Oui. Et ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est une... Je vois pas ce que c'est. Du coup, ça ira au cramage. Ou au bureau. Attends, c'est quoi? On dirait une boîte. Dans le doute. Allez, on redémarre. Pardon. Mais je me suis embourbé là. Alors, je sais comment on désembourbe une 205. Une Panda et une Twingo. Alors, un véhicule locomotive navire. Ah, d'accord. Salut Majiro. Oh, la lumière, du gaz et une boîte. Bon, bah écoute. C'est bon, j'ai compris comment on va désembourber. Encore une boîte, hein, une boîte bizarre là. Hop là, ça va là-bas. Alors pour rappel, en haut là, juste en haut, donc il y a le compteur. Au-dessus, il y a une couchette. Mais c'est censé être mon lit. Hein. C'est mon bureau et mon lit. Allez, on va récupérer ça. Tu sens le... Ouais. Je regarde les ponts sur 3D World. J'en ai une bonne nouvelle. Jake, il n'y a plus nul que toi. Bon, ça va, ça me rassure. Il faut se dire qu'il y a toujours plus nul que soi dans la vie, et donc plus toujours plus meilleur aussi. Comme ça, faut relativiser. Ouais, je fais des cercles dans l'eau et tout. Il y avait un autre truc à récupérer là. Voilà, la lampe. Attends, il n'y a pas que la lampe. Voilà, il y a ça. On va pas la mettre dans l'eau, la lampe. C'est quoi ça? C'est du carburant? Non, c'est une boîte bizarre. Alors, la boîte bizarre. Pareil, hein. Et maintenant la lampe. Alors si vous voyez de l'eau comme ça, avec de la rouille, n'allez pas dedans, surtout pas. Vous allez attraper le tétanos là. Où est-ce que j'ai besoin d'éclairage? Un peu partout, mais en fait, il y a tout qui a bougé. Donc, hop là. Ah mais j'ai un crochet là. Attends. Là-bas, là-bas, voilà, la lampe, ici, et ça, non la cloche elle reste, non va-t'en, elle est où ma plante? Est-ce que quelqu'un voit ma plante? Ah non, mais par contre y a une lampe là, voilà, non, ça descend, on va y arriver, ça dégage, ça dégage, je dis, ça va là, ça va là, et voilà, comme ça j'ai de l'éclairage. Ça ne veut plus rien dire ce véhicule. Tac. Non, raté. Tac. Maintenant.
maintenant on va tracter. C'est pas... En vrai, j'aurais. S'il y aurait eu moyen, j'aurais classé ça de manière beaucoup plus intéressante. Allez, on tracte. Le temps du tractage, vous savez où peut se ravitailler un tracteur. Bah, au champ. Voilà. Est-ce qu'on est tracté là? C'est bon? Ah, il recule. Non. Attends. Si tu recules, non. Reste là. Le titanos ne s'assera pas avec la rouille. Non, mais si tu te coupes avec un objet rouillé, par contre... alors attendez, parce que là, je suis tracté. Certes, je suis attaché. Mais il va bien falloir la passer, cette marche. Bah, c'est passé. En fait. Et il n'y a plus de carburant. Allez, on fait le plein. Je vais commencer à manquer de carburant, sérieux? C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Va falloir commencer à mettre des choses du bazar à cramer. Go. On y retourne. La contamination par les tétanos peut se produire via une plaie, une coupure, une blessure, banale, contaminée par de la terre, des excréments des animaux humains. D'accord, ok. Donc, c'est une légende urbaine. On arrive vers un... Non, je vais dire un grand bâtiment, mais en fait pas du tout, on dirait un silo. Ah ben justement, on va prendre un stylo. Non, pas de stylo. J'ai pas pensé à activer l'aspirateur. On va activer l'aspirateur au cas où. Ah non. Freine. J'ai ma radio qui a pété un câble. On dirait GLaDOS. On va monter, l'aspirateur on va laisser activer. C'est un chauffage, pas une chaudière. Le tac-tac endurait le bruit de la chaudière de l'équipement. Ah oui. Oui. Ah bah tiens. On va penser à l'activer ça, je vais me l'éloigner. Je vais me le mettre par là. Mais attendez. Ça a l'air d'être un truc qui tourne. Ok. Un truc qui tourne. Un landau? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Un landau. Il aurait dû aller dans Star Wars. Toi-même, t'as la référence, lol. Alors là, c'est un pipeline. Pipeline, plutôt, même. Build
Our Future. On le voit un tout petit peu, je sais pas si vous le voyez, vous à l'écran, en haut à droite, le panneau il dit oui, build our future. Future. Nous construisons notre futur. Eh ben, on voit ce que c'est devenu, hein. Franchement, ça donne pas envie, hein. En train de m'éloigner beaucoup là, je trouve quand même. Ok, c'est normal. Encore une caisse. Ah, mais c'est du carburant en plus. Ah, mais c'est pour alimenter. Attendez. Y'a rien d'autre là? Non. D'accord. C'est donc ça le futur téléphérique de Toulouse. Inquiétant, hein. Ceux qui ont suivi l'actualité, le téléphérique de Toulouse est en phase finale d'être construit. Ils sont en train de. Ils ont posé les câbles cette semaine. Il y a des tests cabine à la fin du mois normalement. Oh mon dieu! J'ai eu peur que ça fasse un roller coaster. Non. Ah, on retourne au landau. Ah bah ça tourne en effet. Alors, carburant, ça tombe bien, j'en avais besoin. On va mettre celui-là là-bas. Et la radio, on dirait les antennes FM quand on change de département. Quand vous passez d'un département à l'autre, les fréquences changent, puisque les stations de radio ne sont pas sur les mêmes fréquences. Ce qui est un peu nul, en fait. Les radios nationales devraient, logiquement, être sur les mêmes fréquences, c'est logique. Mais ça a été mal distribué dans les années 80, donc c'est resté comme ça. Et du coup, quand vous changez de département, ben, votre station de radio sur laquelle vous écoutez ben, change toute seule. Et c'est normal. Allez, on y retourne. M'aider devant, mais n'a pas. Allez, on casse tous les tuyaux. On construit votre futur, mais cette fois en rouge. Devant. Ah, il va falloir réparer ça. Voilà. C'est un ferry. Ça a l'air d'être un ferry avec un truc par terre. Je voudrais récupérer. Je ne récupérerai pas. Et j'ai foutu le feu. Oh là là.
Il n'y avait aucune raison que ça crame, hein, vraiment. Ah oui, ça fait rire, en effet. Mais est-ce que le ferry, on peut l'appeler Jules? Ferry. C'est quoi que je viens de récupérer? Une statue? Une statue d'un animal? Une sculpture? C'est mignon. Ça part à la brocante. Hop là. 3 euros, affaire conclue. Faut que j'aille en haut. Ou Karine, Karine Ferry. Ah ouais. Après on peut aller... Il y a Luc Ferry aussi, mais là c'est plus politique. Allez, on fait le hamster. Ah mais du coup vous ne voyez pas mon perso. Le perso il est juste à l'angle de la caméra à droite. Pourtant je l'ai réduite là quand même. Faudrait que je la réduise encore? Réduise encore? Je pourrais. J'aurais dû peut-être la mettre en haut. Je sais pas. Attention, terre à l'horizon. Et je peux pas. Ah si, c'est bon, je croyais que je pouvais pas sortir. On a quelque chose par terre. Encore une caisse? Je sais pas à quoi ça sert tout ça. On va voir si ça peut servir en tant que carburant. Ah oui. J'ai eu un succès, 42. The answer to life, the universe and everything. Tout ça parce que j'ai cramé autre chose que du carburant, d'accord. Okay. Donc en gros, je recycle un peu ce que j'ai envie et ça fait du carburant. Sauf les bouteilles de gaz. Sinon je fais exploser le véhicule. Hop. Voilà, encore tout cassé. Alors, on a un bouton rouge en haut et en bas à droite. Ainsi que des choses ici. Est-ce que je peux déjà me les ramener? J'espère. Mince, j'aurais pas dû faire ça. Mais pas du tout. Oh là! Alors, ça va être l'énigme. Et encore un ascenseur. Je supposais que celui-là, c'est l'ascenseur qui descend. Mais à quoi servent?
On va changer les roues. Oh, c'est l'heure du tuning. Mettez-moi des néons. Hein. Des néons bleus, l'eau. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Ouais, mais. Je peux pas accéder là. Les roues, elles, ça doit être les trucs blancs derrière là. Ah, c'est bon, j'ai compris. Il y a de la lumière et tout, hein. Pimp my ride. Yes, c'était clairement du tuning. Du coup, on va appeler le véhicule Brian. Brian and Jennifer. Hop là. On va aller chercher le carburant qu'il y a ici. On va le mettre là. Et je vois qu'on peut réappuyer sur l'ascenseur. Appuyons. Ah non, on peut pas. Oh, le jeu est trop bien scripté. Eh bien, go. Ah ouais, français, dis donc. On va pas cramer ça, on va cramer ça. Non, pas la lampe, non. On va mettre ça. Allez, on y retourne. Non, l'aspirateur il a raté. Il s'est éteint juste avant. Arrête-toi le véhicule s'il te plaît. Merci. Ce sera plus rapide de faire un par un. Véhicule inflammable. Je l'ai? Oui, je l'ai.
sacré, Diogène, je ne te connaissais pas comme ça. Envie de casser un bidon complet. Qu'est-ce qu'on peut brûler là-dedans? Non, pas la lampe. Ça non, ça on sait que c'est des dégâts. Ça c'est quoi? Une valise. Est-ce que ça va nous servir? Ah ouais, hé, la valise a fait le plein. Hein. Ah bégo. Hein. En fait, on a toute une réserve de carburant dans le bureau là. Tout ce qui bouge sauf ce qui peut péter. Oh oh. Je vais penser à réparer. Oh là, mais il y a un truc qui... Comment ça a pu sortir ça? Attendez. Pourquoi il recule? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre les voiles? Je crois que oui. Oui, c'est ça. Ah, on arrive. D'accord. Une baignoire. D'accord. Une botte, une baignoire. Le train sur l'eau de Chihiro. J'ai presque envie de screen ça dans un fond d'écran.
Il va peut-être falloir pas tarder à freiner là. Mais vu que j'ai pas mis le moteur et que les voiles. Alors c'est quoi? C'est un gros navire, un gros sous-marin, une grosse usine, les trois en même temps? Les trois en même temps. Parce qu'il reste du transpersonnage. On l'a fait vite l'aspirateur, vite, 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 vite! Les voiles, vous pouvez vous baisser s'il vous plaît. Oh, il y a un petit bateau. Alors, on a récupéré quoi? Du carburant. Ainsi que du carburant. Ça, on peut le mettre là. Le bateau. Ah, le bateau... Ah, faire conclu, attends. Bateau, hop, il va là. Et un bidon. Il va rester là. C'est moi ou le truc qui recule? Les voiles, purée, les voiles. Baissez-vous, les voiles. Baissez-vous. Baissez-vous. Les voiles. Merci. Je sais pas comment j'ai fait. Doudou, doudou. J'ai dit tout doux. Hein. Il n'y avait rien à récupérer? Ok, alors on y va. Pour l'instant, le véhicule n'a pas cramé à cause de la vapeur. Encore l'orage? Ah bah de la grêle maintenant. Génial, comme si on avait besoin de ça. Voilà, on s'abrite. L'aspirateur va prendre le carburant, j'espère. Il a pas pris le carburant. Reviens en arrière, reviens en arrière, reviens en arrière. Purée, il y a le véhicule, il va péter. Ah ouais, mais la durabilité, mais oh, c'est affreux. Comment je fais pour revenir en arrière? Voilà, allez, c'est à peu près à l'abri. Vite, vite. Oh là là, il est tout capoté. Il n'y a plus d'eau. Ah, c'est parce qu'il te faut ça. Peut-être. Donc mon carburant c'est l'eau, c'est ça? Ok, mon carburant c'est l'eau. On réagit après 2 heures de jeu, le carburant c'est l'eau. Il continue de rouler, oh là là. Ensuite il faut quoi? Les voiles, il faut réparer les voiles. Ouais, panique, complètement. Ok, les voiles c'est bon. Ensuite, l'aspirateur. Comment on fait? Comment je fais pour réparer l'aspirateur? Alors ça oui, si tu veux un petit peu. Mais l'aspirateur il est complètement... Ah non, c'est bon. Donc là on est tout neuf. Il va falloir avancer dans ces conditions là. Et on peut pas attendre une accalmie là. Elle dit quoi Evelyne Delia à la météo? Alors ce soir sur le Cotentin, un petit orage là, des petits grelons. Abritez-vous hein.
L'arrière a mal, ouais, complètement. Et surtout, prenez bien soin de vous. Comme dirait Tatiana. Allez, on trace, c'est pas grave. C'est pas grave, on prend les dégâts. Y'a tout qui femme. Oh, ça y est, y'a déjà le feu, mais j'ai rien fait, quoi. Ok, c'est pas grave. Allez, on s'abrite. On freine, le petit coup de frein, le petit coup de frein. Non, pas de petit coup de frein. J'ai sûrement raté des items par terre, mais c'est pas grave. Ok, on peut continuer. La vapeur. Le plein. On continue, c'est pas grave. On prend des dégâts, c'est pas grave. Les voiles sont en feu, c'est pas grave. C'est bon, ça se calme. Ok, ça se calme. On va réparer tout ça maintenant. Je suis sûr que j'ai raté des items. Est-ce qu'il y a autre chose en feu? Non, mais par contre, il va falloir réparer moteur. Bon, en fait, on va tout réparer encore une fois. On va commencer par les voiles. Bah, ça tombe bien, je me cogne, au moins on a l'arrêt. De quoi tu veux que je fasse Evelyn Delia ou Tatiana Silva? Hop là, le moteur. Tout. On va reconvertir dans la météo. Et l'aspirateur. Ok. Maintenant qu'on est tout neuf. Ouais, c'est bon, on est tout neuf. Alors. Boîte au portail. Oh, bordel, bien vu. Je suis où? Je suis tombé. Faut la récupérer au retour, je suis tombé. Mais bien vu, bien vu. Je l'ai pas vu. Ah, d'accord. Je m'appelle. Tombez pas forcément à ça. Oh là, il se passe quoi là? Dans la mine! Une mine! Alors. Peut-être commencer par ça. D'accord. Ensuite. Un petit peu obvious ça quand même. Ok, c'est bon, on a pu rentrer. Tac, 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 tac. Allez, avance. Alors par contre, non, la petite boîte, on va la récupérer. Voilà, et on va la mettre... On va la laisser là. Est-ce qu'on peut passer? Oui.
on va pas aller trop loin. Parce qu'il y a une espèce de ferry ascenseur sur le côté. Donc juste ça devrait aller, je pense. C'était pas ça. Zut. Voilà. Là, on est bien en mode verrouillage. Et maintenant. Ok, ascenseur. D'accord, ascenseur, très bien. Ah, mais c'est un barrage en fait. C'est carrément un barrage. Non, j'ai cramé le... Oh, c'est pas grave. J'ai cramé un demi plein d'essence. Hein. Plein d'essence ou d'eau, parce que c'est du coup en carburant à l'eau. C'est les tonneaux tout à l'heure, ça. Wait. Ouais, voilà. Oh, le geyser derrière. Magnifique. Mais allez, attendez. Voilà. Encore plus beau que tout à l'heure. Ça va, j'ai eu peur.
Oula, ça devient tout blanc. Et il neige maintenant. Tempête de neige. Si, je peux continuer. Voilà. Les voiles, non, c'est bon, ça passe. Ouais, c'est bon, les voiles, ça passe. Un petit coup de frein là, non? Non, non, ça passe encore, ok. Ça va peut-être plus passer là. C'est bon. Ouf! Non, maintenant on peut dire ouf. Il y a la boîte. Alors, quelle est la mécanique dans cette zone? Faut-il que je passe au-dessus? Je pense que c'est au-dessus de toute façon. Il y a un truc sur le côté gauche. C'est pas ça. Je comprends qu'il faut que j'aille à gauche, puis probablement à droite. Mais comment? C'est une plateforme pivotante. Mais comment je la fais pivoter? Je n'aime pas. Sérieusement? D'accord, c'est juste. Les roues, s'il vous plaît. Parce que là, vous allez user ma voiture. Hein? Donc, petit coup de frein. Merci. Est-ce que j'ai besoin de ça quelque part? Non. Donc ça, je te récupère. Hop là. Ah. Mmh.
rocher là. Ça va tomber ça. Là-haut, oui, ça manque de carburant là-haut. Ça j'ai compris. D'accord, on peut rien attacher. Non. C'est pas. Je peux pas prendre ce crochet là, faire tout le tour avec. C'est complètement. Et voilà, c'est pas ça. Puis même, faudrait que je monte par l'extérieur. On peut baisser les voiles déjà parce que bon là quand même. Ok, bon j'ai compris comment baisser les voiles, c'est pas mal. Bon, ça sera après ça. Ça c'est après. Il faut que je m'occupe de la gauche. Sachant que je viens de récupérer un carburant. Alors ça de nouveau pop le gaz. Ouais, si tu veux fais le plein, c'est pas gênant. Ça va là. J'ai spécifiquement récupéré ça. Attends. Bloquer la porte. Non, c'est pas ça. Oh, je sais, j'ai compris. Ah ben, je viens de lire le chat, en effet. Je lis le chat et je tombe comme un nul, hein. Excusez-moi. Je cycle la manette qui bouge tout seul. Oui, mais j'y vois pas grand chose. Regarde la taille du bonhomme. Regarde la taille du chat. Regarde la taille de l'écran. Je porte des lunettes, c'est pas pour rien. Hein.
C'est l'imitation de quoi? J'ai pas compris. Nouveau succès. Mince, 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 le frein. Attends, mais j'en fais quoi de ça? Je vais pas le tracter en arrière quand même. Depuis le début du jeu, on va de gauche à droite. Sérieusement? Parce que là je pense pas remonter du tout de... Oh! Ah, intéressant! J'avais encore du carburant, mais bon écoute... Alors attendez, réflexion. Soit je tombe. Non, si je peux tomber. Voilà. Et maintenant, on continue l'aventure. Ah, je sors carrément de... Ok.
Ah, il y a du vent encore. Ça, c'est pas bon signe. Attends, d'où le plein il s'est fait entièrement là? J'ai juste mis des papiers. Tuning en cassant tout, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Beaucoup de réparation, non, c'est un petit coup de réparation quand même. Ça a sonné chez moi. Je vais faire en sorte de pas répondre. Oui, je suis obligé d'ouvrir. Je suis désolé. Je reviens. Je reviens. Thank you.
Ah là là. Au secours. Excusez-moi. C'était pas prévu. Et en fait, pour vous raconter un peu ma vie, j'attends un colis. C'est un tout petit colis, mais je l'attends. Et vu que je sais que c'est un livreur, ça va pas être déposé à la boîte à lettres. Donc je me dis, bon, ça a sonné deux fois quand même. Devinez quoi? C'était pas le colis, c'était un démarcheur. Voilà. Alors que c'est clairement écrit que dans le bâtiment, enfin dans le bâtiment, avec trois appartements, mais on veut pas de démarcheur. Voilà. Je me suis fait eu. Donc, je suis déçu, j'aurais pas dû ouvrir. Bon, moi, je me suis pas absenté pendant 30 minutes comme ça m'est arrivé en décembre. Donc, bon. Je vous relis au passage. Ouais. Ouais, mais là surtout que c'est, je sais très bien. En plus, non, je raconterai pas ça. Je vous raconterai sur Discord, mais c'est une putain d'arnaque. C'est un mec qui voulait me vendre des tableaux avec une excuse bidon, donc bon. Et je connais très bien cette arnaque-là. On en était où, nous? Alors, attendez, on vient de monter, hein, c'est ça? On est enfermé. Il y a un bouton devant. Ah, je peux pas passer par là. Je suis obligé de passer par l'intérieur du véhicule. Il y a sûrement un truc à faire là-haut. Probablement. Non, c'est pas ça. Attendez, 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 attendez. Ok, d'accord. Il a de la force, mon petit personnage, quand même. Et en plus, je me suis pété le dos. Bon, ça, vous le savez déjà, c'est habituel. Mais en fait, derrière, là, c'est entre guillemets mon, enfin, c'est mon fond vert. Donc, pour pouvoir retourner derrière. Je suis obligé normalement de le lever et de passer. Et là, vu que c'est en live, j'allais pas lever le fond vert pour après le retirer. Du coup, je suis passé en dessous. Il y a quoi? Il y a 50 cm entre ce qui reste du bas du fond vert à mon sol. Donc, je viens de ramper à l'aller et au retour. Et du coup, en voulant aller vite, je me suis fait mal. Chose que qui n'est pas conseillée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des choses à récupérer ici? Ah oui, mais mon sol est propre, hein, t'inquiète pas en dessous. T'inquiète pas, je fais mon ménage quand même assez régulièrement. Je supporte pas d'avoir un appartement sale. C'est vraiment ça. J'aime vraiment pas ça. Je vais en parler à. Oh, j'ai pas. Tu m'y fais penser, je l'ai pas appelé le kiné. Faut que je le fasse. Je le ferai. Demain. Je viens de voir l'heure. Ah, attends, c'est par où? Mais je me suis bloqué là. Je me suis bloqué, on est d'accord? Ah non. Visite, hein. Une minute. La cloche. Oh, le succès, il s'appelle My Heart Will Go On. Ah ben oui, Titanic.
Alors, juste, je veux être sûr de ce que je suis en train de voir. C'est... Ça va être mon nouveau véhicule. Ça va être ça. Si vous avez suivi le début du stream, ça on l'a déjà vu. On est sur la fin du jeu. On est clairement sur la fin du jeu. Oh oui. J'ai raté quelque chose. Alors, je vais me mettre là. Alors, si vous avez raté le début du stream, comme je viens de le voir, cette photo-là, c'est la photo de tout début du jeu, de la tombe, de là où le personnage est en train de se recueillir. Donc on va supposer que le personnage est l'enfant de cette personne, parce que notre personnage, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Il est déjà en panne. Bon, on va ranger la cloche déjà. On va avancer. Après, de toute façon, en fait, il y a tellement de choses dans le bureau que quand ça cogne, ça passe à travers le toit du véhicule. Est-ce que
qu'il y a l'incendie et c'est pas grave? Oui. Ah, c'est pas ça. Mais non. Ok. Alors, je ne savais pas que ça pouvait arriver. Je ne le savais absolument pas. Je peux pas aller plus. C'est pas ça qu'il faut faire. Parce que bon, je peux pas faire plus là. Il faut pas remonter. Bah t'as vu le feu. Attends. Attends. De l'eau, ça. Non. J'avais vu... Pardon, c'est pas ça. J'avais vu un bouton rouge au-dessus, mais c'est pas ça. Du coup... Pardon, excusez-moi, je passe. Pardon, poussez-moi, excusez-vous. C'est pas ça. Est-ce qu'il faut balancer ça là-dedans? La réponse est non. Complètement paumé. Je pense qu'il aurait pas... J'aurais peut-être pas dû descendre. Parce que là, je peux pas remonter. Les portes ne s'ouvrent pas. En tout cas, j'ai pas d'interaction sur les portes. Faut que je fasse attention parce que comme ça, je peux cramer tout le carburant. Oui, je pourrais repartir du point de checkpoint, mais... Ah! D'accord. On pouvait donc casser ça, je savais pas. Je m'en souvenais plus du moins.
Ah, on peut passer, d'accord. Non, ça a pas l'air d'être suffisant. Pas du tout. Donc on va avancer encore un peu. Voilà. Oh la vapeur. On va casser les choses là. Ah non. Ouais, mais combien? D'accord. Il y a une trappe ici. J'aimerais bien... Attendez. On va tester un truc. Ok, en dos, ciao. De même. Bon, on a vu le gros bouton rouge. Oh, les dessins sur le mur. Violent le coup de caméra là. Il reste un bidon. Ça va être pour monter tout à l'heure, mais il y a quand même une trappe là qui va du 3 au 4. Tout est réparé, tout est en bon état. Ok, bon, bah on va appuyer sur le gros bouton rouge là-bas. Thank you.
Franchement, j'aimerais bien voir. Moi qui ai fait la caméra? Non, non, la caméra a reculé toute seule, d'accord. Où je suis tombé, il fallait pas. L'ascenseur, il est là-haut. Il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait bugger quelque chose. Il a... Attends. Ah, du coup, on peut aller là. D'accord. Oui. Il y a plein de carburant là. Ça, ça va falloir le tracter. Storage, entrepôt. Attendez, 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 il y a un crochet là. J'ai besoin d'un crochet, moi, du coup. Y arriver, oui, je veux que ça reste ouvert. Bon, il veut pas, il ne veut pas. Je peux pas prendre mon crochet de mon petit véhicule pour aller récupérer le truc d'en bas. Ça, c'est clairement hors service. Oui. De plus là. J'ai raté quelque chose. Ouais, j'ai clairement raté quelque chose. Mais quoi? Ça, je peux pas le porter. Je peux juste le pousser. Il faut quand même pas que je remonte ça là-bas. Là, je peux pas y aller là. Là, je peux rien faire. Il doit aller là. On va voir, peut-être que ça peut fonctionner. Sérieusement, c'est abusé. Tout à l'heure, la corde de traction, elle n'était pas aussi grande. Hein.
téléphone ou pas? Ah oui. Voilà, maintenant. Ascenseur. Non. Je me suis dit, je vais le tracter à la main. Et en fait, non, non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas à tracter à la main. Il faut pousser avec le moteur. Alors, maintenant que lui il est là. Ah mais non, il y a juste à retourner sur la droite. C'est bon. Pourquoi ça s'est arrêté cette fois? Ah, ça s'est ouvert. Minute, je viens de capter un truc. J'allais partir sans le véhicule. Comme quoi, je me souviens pas du jeu tant bien que ça.
mes voiles. Poussez-vous. Oh mon dieu, c'est un volcan derrière. Ma survie. Mon véhicule. Attends, je reprends où là? D'accord, avec un bidon d'essence en rab si tu veux. Non, c'est pas la fin, je me souviens pas du jeu très très bien. Clairement, je m'en souviens pas, mais je me souviens quand même de la fin, la fin finale. C'est juste que là, j'ai pas compris, j'ai fait attention par rapport au volcan qui a pété. Bah, d'ailleurs, il a pété là, on le voit. J'ai bien géré ma jauge de carburant, mes voiles et ma vapeur. J'ai fait en sorte que justement ça crame pas et ça a quand même cramé. Sûrement dû au souffle du volcan, mais c'est pas normal. Ou alors je sais pas comment fonctionne un volcan, ce qui est possible, mais ça me paraît bizarre. Bref, on va y aller tranquillement du coup. Voilà. On va y aller tranquillement, on met pas les voiles. On va mettre un peu de carburant. Si on y arrive. Stop, 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 le frein, on a raté quelque chose, on a raté quelque chose. J'espère que le volcan il va rester sage. J'ai oublié d'activer l'aspirateur. Si vous voulez les voiles, faites-vous plaisir. Non, c'était clairement pas la fin du jeu. La fin du jeu est beaucoup plus philosophique. On remet la chaise, parce que du coup, il y a tout qui part en cacahuète ici. Bon, la fleur est toujours là, la radio est toujours là.
un crochet quelque part là. J'ai mis les deux d'un coup, mais heureusement qu'on manque pas réellement de carburant. Bon, alors là va falloir gérer tout ce qui est réparation. Donc on verrouille. Voilà, la manette qui vibre. C'était la manette. Et là on fait gaffe. On a besoin de rester focus sur les réparations. Mais non, mais sérieux! J'ai été éjecté du véhicule! Où je suis? Ouais, à voir, virer les bonbonnes. Mais le gros truc, c'est que c'est pas ça qui crame. Mais du coup, à voir, ouais. Parce que oui, en vrai, les bonbonnes de gaz ne servent à rien. C'est juste, j'aime pas laisser traîner les choses par terre. C'est juste ça. Poussez-vous, 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 poussez-vous. On va y arriver, oui. Oh, la cloche. Une grosse explosion ici. Au passage, alors attends, ça se recycle pas. Ça non. Ça oui. Donc, tant qu'à faire. C'est vous. Allez. Allez, avance. Bon, alors attends, on va faire autrement. On va faire autrement. On va réorganiser un petit peu tout ce boxon. Ça va là. De toute manière, on sait qu'il va y avoir l'aspirateur dans pas longtemps. Donc ça, hop là, carburant, hop là. Voilà. Je peux passer au-dessus, oui. C'est quoi ça? Ça c'est des lampes, on les garde. Ça c'est quoi? Des papiers. Les papiers, on va les cramer. Que je peux accéder à ma bonbonne, oui, c'est bon. Non, non, là, j'allais mettre la bonbonne. Non, non, non. Voilà. Ensuite. On va prendre quoi? Une chaise tout à l'heure, là. Elle est où la chaise? Ah, je l'ai dans la main, la chaise. Ok. La chaise. Hop là, ça crame. Ça fait du carburant aussi, génial. Si j'avais su. Ça va là.
Et là, on est à peu près bon. Il reste encore un peu beaucoup bordel, mais voilà. On va accrocher ça là. C'est quoi le truc qui est accroché là? Ok. Ensuite, histoire de pas faire les mêmes conneries quand même. Ça, on le retire. On va le mettre. Là. Ça. Bah, normalement, on a du carburant pour un bon moment. Parce qu'il y a le vent, tout ça. On met là. Go? Ah non, pas go, non. Les voiles. Je me prépare avec la lance à incendie. Pas tout à fait, pas tout à fait. Stop, on freine. La bonbonne, on s'en fiche. Ça, on peut le mettre là-bas. Ça, on prend. Convaincu à 100%, mais go. Faut peut-être que j'enlève le frein, moi. Voilà. Et on repart. On repart, ça va péter. Suspense, suspense. Manette. Ça pète quand même, hein. Je sais pas où je suis. Voilà, et là il a pété. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Oui, oui, la cloche, oui. Comment passer ça? Je m'en souviens plus, mais plus du tout, quoi. Ça pète, on n'a plus aucune visibilité, pourtant j'ai de la lampe. J'essaye d'aller vite en respectant la vapeur. Non, parce que le premier coup, j'ai respecté la vapeur. J'ai pas arrêté de sauter. J'ai vraiment pas arrêté de sauter. Non. J'ai pas de navigateur ouvert pour vérifier. Je peux pas vérifier.
Parce qu'il y a tout qui pète en même temps, en fait. Si. Après, ça c'est le point central, tu me diras. Pourquoi ça pète? Ça pète. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais mal? Tout est réparé. Le vent est bon. C'est pas la vapeur, quoi. Il y a vraiment tout qui pète en même temps. Là, on nous donne du carburant. Si on nous le donne, c'est qu'il faut aller vite. Pourquoi ce serait pas ça? Ça pète quoi qu'il arrive. Et là, ça prend feu. Je vois rien. Je vois rien. Il a pété quand même, quoi. Mais je suis en vie. Attends, là je suis en vie. Il a pété quand même, mais je suis en vie.
Chargement. Ok, ben c'est la suite et on va se débrouiller avec. Il peut pas avancer. Bon, il y a une évolution. Ouais, voilà, il y a une évolution, on va dire ça. Je peux pas le tracter. Je peux rien réparer. Est-ce que je peux aller derrière là-bas? Non, là clairement l'arrière du véhicule c'est mort. Bon, ça me rassure, le poste radio et la plante sont de ce côté-là. Lol. Le bateau aussi. Est-ce que je peux le tracter? Mais non, mais tout à l'heure j'ai essayé. C'est quoi le bouton pour prendre des objets déjà? Ok, c'est celui-là. Ok, je l'ai réussi à l'attraper. Ok, on peut tracter, c'est pas mal. Quoi penser pour le moment. Le ciel s'éclaircit. Bon signe. Je suis quand même pas le crack à le tracter jusqu'au bout du monde. Lâcher, ça revient en arrière. Bon bah écoute, on va poursuivre le chemin hein. Mais je peux même pas sauter. Ah oui, ça va plus vite en effet comme ça. D'accord, va falloir jauger. Ce sont les mêmes véhicules que nous. Complètement. De l'eau.
Du carburant, lol. Je peux plus rentrer dans mon véhicule. Sérieux? Du carburant, des livres, du carburant. Ok, d'accord, j'ai compris. Je n'ai plus le contrôle. La flamme de l'espoir. Paquebot au loin. En tout cas, au loin entendu. Fin du jeu. Voilà, c'était Farallon Sails. Succès dévrouillé. Goodbye, old friend. Bien sympa comme jeu. C'est pas un jeu pour jouer. Encore une fois, hein, c'est le type de jeu que moi j'aime beaucoup. C'est des jeux pour réfléchir, pour amener à réfléchir, amener à se poser des questions, à faire un constat de notre monde, de la société. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que les choses aillent mieux. Et là, on le voit bien à travers ce jeu, hein, sur consommation, sur industrialisation, au final, ben, qu'est-ce qui. Une atmosphère très grise, assez toxique, la nature quasi inexistante, même s'il y a trois bisons, trois brins d'herbe et trois goélands, finalement on n'a rien vu. Hein. L'eau elle est quasi inexistante, on la voit très peu, un petit peu en flaque, un petit peu en mare, et à la fin bah, la mer, l'océan, ou du moins ce qu'il en reste, alors que l'océan allait à travers les. Enfin, allait beaucoup plus loin avant. Donc voilà, faut se poser les bonnes questions et que nous, bien sûr, citoyens, citoyennes, mais que nos hauts placés se bougent les fesses pour que la priorité absolue soit l'environnement et le climat, et donc nous, notre santé par derrière, parce que plus on bousille notre environnement, plus on aura de pandémies et conneries comme ça, et ça c'est un fait, et les études sont là pour le prouver, c'est pas des conneries. Donc à un moment donné, le capitalisme, vous m'excusez, c'est politique, mais
c'est ça, ça fait partie des choses à remettre en question, quoi. Donc le jeu vidéo ne sert pas qu'à se divertir, pas qu'à jouer, mais aussi à faire passer des messages importants et amener à réfléchir. Apporte des compétences que assis devant une salle de cinéma, on n'aurait peut-être pas les mêmes compétences de réflexion. Et pourtant, j'aime le cinéma. Ça, clairement, il me tarde d'y retourner. Mais voilà. Là, on est pris. On est acteur de notre. On est acteur dans le jeu. On est vraiment dedans. Donc, c'est encore plus immersif que de regarder un film ou même un documentaire. Un documentaire permet de se poser des questions aussi, mais c'est pas autant immersif qu'un jeu, je trouve. Donc Far Lone Sails, sorti en 2018. La semaine dernière, on y était sur Old Man's Journey. C'est pareil, un jeu sensibilisation. On n'est pas du tout sur le même sujet. Beaucoup plus poétique. Là, on est vraiment dans du gris. Hein. C'est volontaire, c'est... Et c'est bien de temps en temps d'avoir ce genre d'œuvre, parce que ça reste une œuvre. Je suis pas mécontent de l'avoir fait, ou du moins de l'avoir refait, parce qu'au final, beaucoup de choses dont je me souvenais pas. Et d'autres jeux du même style. Enfin, du même style, pas forcément du même style, pas de graphique, mais en tout cas, d'autres jeux à sensibilisation arrivent. De toute manière, il y en aura un par semaine jusqu'à je sais pas combien de semaines. J'en ai tout un stock. Beaucoup, beaucoup de recherches ont été faites. Et du coup, je me suis procuré ce qu'il me fallait pour sensibiliser sur plein de choses. Thank you for playing Far Lone Sails. Eh bien, écoute, de rien. Merci beaucoup au jeu. J'aurais préféré conserver mon véhicule jusqu'à la fin, quand même. Mais bon. Comme ça. Et on revient sur l'écran de début. Alors, j'ai eu beaucoup de succès Steam, mais je pense ne pas tous les avoir. J'ai mal fait des choses. Et j'ai raté des choses, ça c'est clair et net. Du coup, on va s'arrêter là. Ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Du coup, je vous remercie pour ceux et celles qui ont suivi. N'hésitez pas à suivre Ivasan Studio sur les différents réseaux sociaux. Rejoignez le Discord, rejoignez le Twitch. C'est là où on est les plus actifs. Pour tout ce qui est replay, il y a YouTube. Et prochain stream, ce sera demain, 14h. Mario 3D World, on y retourne avec Imagiro. On est quasi sur la fin du 100%, mais vraiment là toute fin, on va galérer, on le sait très bien. Et juste en suivant, Mario 35, parce qu'on n'a pas encore fait cette semaine. Peut-être vendredi, Asphara avec Yakipon. Voilà. Suivez-nous. Passez une bonne fin d'après-midi. Cordialement. Bisous.